haja hosi ya koze habangu zeko imigira ya korona tiongenda kuta ugiru mkozi kwenisho umba ati yanduzi rumba leo kukira kundi yanduze mkukora ya teza kwa mbala magamu tomenaji hanyumaka koresha ya masolisyon anetra izu mungera akahana kura hosi higano hino kukira ngo ashize mu wundi uwo wundi ntabyo yanduye wa mugira wa koroni cyakabiri nuko ibyerekeye imeza urabona iyo umuntu umukiriyaje ashyira kuri reception natirere marishimikiza kuri table ya reception iyo table ya reception kugira ngo umuntu aje kuyishimikiza ko ntakura umugera ni uko biteza kuba netwayere ibiriye runo Nous avons une solution hydroalcoolique au cas de nettoyage régulièrement. Nous avons un mot où nous avons un peu de temps pour le corona. Quand nous avons une solution, nous avons une disposition de telle sorte que Agati est un client à Jahimete. Pourquoi nous avons un peu de temps pour le corona? Nous avons un peu de temps pour le corona. Nous avons un peu Icyo ni igira kabiri igira gatatu iserekeye nabari ibitanda lolenge za muzu y'amashuka yajyanirwa kugira uyamanipire antuti sekirite wayamanipira gute antuti sekirite wowe utiyanije nubuteza kukwegeranya veke y'amaga yawe y'amagando menaje hanyuma ugacurushira mu kintu ushobora kubitwaramo amemitaye y'amaga yawe uteza kusubira ugakaraba wambaye amaga ya solution hydroalcoolique imbere y'uko ubitransporta gushika muri vestiaire aho uza kumesera muri rwandiri hanyuma igisigaye koza resistansiye kuko wariye wakoresheje aje muri hoteli ugasanga yanduye korona ashobora gusanga y'amasahani yanduje abandi tukora gute kugira ngo ayo masahani yanduze abandi ni ukuvuga yuko duteza kuyatwara twambaye y'amaga de menage hanyuma dukura kore reste nyuma y'amasahani tujashyira byiza twajya tubanza tukayishyira maze ashushe hanyuma tukayakora amazi ashyushye tuyoza neza n'isabune kugira ngo tubanze tunetralize wa mugera nayo amazi ashyushye kirumvikana cyangwa nticyumvikana kirumvikana urumva rero izo nizo mpanuro cyane cyane mwebwe mukora muri iyo hoteli kuko hari impanuro duhereza repubulike de façon générale yazibashirije se indwara zigarukaho numva rero cyane cyane agomba kuko mufata des mesures spécifiques y'abantu bakora muri hoteli cyari ibyo kuko ibindi yari matorosi continuons en contact avec mes parents d'un côté et les gens de ma famille et bien sûr les collègues, les médecins qui gèrent aussi des hôpitaux en Italie. Bon, la situation italienne est actuellement dramatique. Mais ainsi que la situation dans d'autres pays, hein, parce que l'Espagne, la France, l'Allemagne, les États-Unis, ils commencent à voir le nombre de pourcentages. On a fait cette réunion, on a décidé de prendre certaines mesures qui seront perfectionnées demain, probablement. Et tout ça en accord avec, bien sûr, la direction générale de l'hôpital et la direction de notre CDR. C'est pour dire que n'importe quelle initiative
qu'il faut la prendre maintenant. Maintenant, on n'a pas de malades déclarés positifs au coronavirus au Burundi. Encore que je sache, il n'y en a même pas un. Mais c'est le moment pour faire quelque chose. Il ne faut pas attendre demain, une semaine, un an, bon, on attend l'épidémie pour décider ce qu'il faut faire. Ça, c'est une erreur incroyablement grave qui peut donner des conséquences vraiment terribles. Parce qu'en plus, il faut penser que le pays, le Burundi, n'a pas la structure sanitaire d'un pays de l'Europe européenne. À une structure sanitaire qui, bien que soit capable de gérer la majorité des malades dans un moment normal, elle ne sera pas capable de gérer une épidémie de coronavirus. Surtout parce que l'épidémie de coronavirus demande beaucoup de vies, des soins intensifs, des réanimations, des médecins qui sont spécialisés pour ça, des lits équipés pour ça, et vraiment pour ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire, donc je profite de cette occasion pour souligner encore ce point que je trouve essentiel. Merci beaucoup. On n'avait pas une place pour justement faire les tests. Alors, merci pour l'information qu'à l'INSP, on fait ça, et que dans un proche avenir, probablement qu'au centre de l'hôpital universitaire de Kamenge ou bien à l'hôpital Mitel, ça pourra aussi fonctionner pour tester ces symptômes, ces cas de coronavirus. Mais une chose, est-ce que vous pensez, vous avez seulement évoqué Bujumbura, qu'en est-il des provinces, surtout qui sont frontalières, avec des pays, vous savez, avec moi, que nous restons au centre du Rwanda, de la RDC, de la Tanzanie et du Kenya. Qu'est-ce que vous pensez pour les provinces? Aussi, vous avez dit quelque part qu'il faudrait aussi bloquer le mouvement, non seulement par aéroport, mais aussi d'autres villes. Est-ce que le Burundi, il n'y a pas un risque que ce confinement ne serait pas bien préparé au Burundi, que ça peut provoquer plus de conséquences comme on l'espère? Merci beaucoup. Je réponds à Kirundi en français. Kirundi. Je commence en français. Il pose la question de savoir qu'est-ce qu'on a pensé à faire avec les provinces qui sont même frontalières avec les autres pays qui ont déjà des cas, alors que nous consentons nous focaliser au niveau des laboratoires à Bujumbura. On y a pensé, mais pour vous dire que ce n'est pas facile d'avoir toute la machine qu'on mettrait en place pour faire les tests à Muyinga, à Ngozi, à Kirundo, à Kayanza, partout, ça serait très difficile. Vous avez bien compris que même on a déjà l'INSP, mais l'OHC, l'hôpital militaire, ça n'a pas encore commencé, mais la machine est là, on est en train de mettre en place que l'hôpital même définisse un endroit où on va le faire. Il y a aussi l'hôpital donc Roi Khaled et Moudou, comme j'ai dit. Donc, on a pensé aux hôpitaux ou aux régions, mais pour qu'ils fassent seulement un isolement, si on suspecte un cas, on fait un isolement et on appelle les équipes d'intervention rapide qui vont faire le prélèvement. Et on fait les tests ici, puisque il nous serait pratiquement impossible, avec les moyens du pays, de dire qu'on va trouver et le personnel et les machines qu'on mettrait à tous ces endroits. Voilà, c'est ça. Il y aura des confinements, il y aura des isolements au niveau des hôpitaux de l'intérieur. Si on a un cas, on l'isole pour qu'elle ne contamine pas les autres, mais on prélève et on amène à des endroits spécifiques de Bujumbura pour faire le test. Mukirundi ati none ko muvuga ko ibintu bya laboratoire bigupima mwabishize ngahe Bujumbura gusa ruguru murabahebye
ma province kandi twumva ko mu Rwanda ihari ikongo ihari itanzania ihari ayo ma province yegeranye none ntimuva ko musa nababahe inyishu natanze nuko nitwabahebye ibitaro bya ruguru byo tugora kugira ngo turaronse uburyo arabaganga babahinga bapima nibikoresho tuhashira kugira ngo baze barapimiranye mugabe kizokogwa nuko bagira ahantu bashira uyo muntu biyumvira ko yobagwaye baketse bati urya muntu arasho afise ibimenyetso bisa nibyo byo wara bace bamwereka ahantu aja hawe nyene kugira ngo ntiyandukize abandi hama abahinga babigenewe bo gahe ujumbura ba nyaruka vuba bafise ubazo uburyo bukwiye bagende bamupreleve hama baze bapime nibasanga gwaye bamuzane kumuvurira hahandi nababwiye kuko nitwotegekanya ko tugira ama centre de traitement dans tout le pays kyogora na kwakunda si on passe au moyen de confinement alors que nous n'avons pas de cas est-ce que vous ne voyez pas que ça risque d'apporter des dégâts plus que des bienfaits parce que si vous demandez aux gens de ne pas aller au travail, si vous demandez aux gens de ne pas aller dans leur mariage, ça risque d'être porteur de mauvais fruits que de bons fruits. La réponse ici, c'est que un proverbe français dit que vaut mieux prévenir que guérir. Si nous attendons qu'il y ait des cas pour prendre des mesures, nous risquons d'être en difficulté. Et ça risque d'être en retard. Et comme les ports, les frontières sont poreuses, qui peut dire que à Kayanza, ce qui ne passe pas à la frontière d'Akanyaru, qui passe dans le petit coin là, qui viendrait du Rwanda, ne pourrait pas venir et nous amener ça. Donc nous pouvons peut-être être en train de tourner les pouces, croire qu'il n'y a pas de cas, alors que c'est peut-être en train de venir. C'est pourquoi la méthode de confinement risque d'être une bonne mesure plutôt qu'attendre que nous ayons des cas. Dans l'exposé, je vous ai montré, je ne sais pas si vous étiez là, je vous ai montré combien un individu peut contaminer facilement 400 personnes. Bon, il ne faudrait pas en attendre, en arriver là. Il faut qu'on prenne des mesures qui vont faire la prévention. Iki kibazo rero cyo nacyo kivuga ibijyanye n'ukundi turiko turaraba ingene bohava bategura bategekanya ko abantu boguma muhira bakareka kuja hamwe bakareka kugira imigwi y'abantu yegerana kubera iki ati ibyo ngibyo muyumvira ko mubisabye ngo babigire babishyire mu ngiro mubona ko bitohava biba bibigusumba kurekero mu gifaransa naciye umugani sizi ko bawuca mu kirundi vomiye prevenir que guérir salvate urazo mu kirundi kwikingira gusumba kuvuga ngo umuntu nzomuvura kiza twokwikingira tutarategwa niho rero nariko ndababwirana imbega ko twohava twijajara kera mu by'ukuri ikiri mu bushinwa cyane ikivugira iburaya gusa umuntu yari kuvuga ati on va amener tous les jumeurs tout le monde va se focaliser sur l'aéroport s'il y avait pas moyen nuko yo dushikira itaje munde none nkubu ko bubandikari amaze kuboneka abantu 17 bayirwaye kandi washaka muri abo 17 bayirwaye nta numwe arembye cyane ari muri reanimation nabandi nyine babaye bo bari muri za 80 nababwiye kubuje rero bashobora kuvugana n'abandi bantu bakayibandikira abo bayandukije baba bagaca bazi Burundi bashika Burundi bakaca bayidushiramo urumva rero la probabilité ko twoyironka natwe ni nini nini tiza rero je niyumvira ko twokwikingira mbere y'uko tuvuga ngo umuntu ni yagwara tuzomuvura nibyo byo byiza gusura murakoze si les médecins le nombre de médecins le nombre de centres disposant de réanimation hautement équipés et ces structures ne sont pas beaucoup développées. C'est-à-dire qu'il faut agir plutôt au niveau de la prévention pour limiter les dégâts. Et on a vu que les pays qui étaient bien préparés
au niveau préventif, ce sont eux qui ont eu moins de cas. Je pense que le Burundi doit mettre plus d'efforts au niveau de la prévention. C'est ce qui est en train d'être fait. Anima, bon, concernant l'épidémie, sur les équipements de diagnostic au niveau de différentes provinces. Je dirais que, en fait, la maladie est toujours gérée, ou l'épidémie est toujours gérée, là où il vient de naître. Si l'épidémie venait d'être signalée au niveau des provinces, c'est-à-dire qu'on va déployer tous les moyens au niveau de ces provinces. Maintenant, comme on n'a pas encore signalé de cas, au niveau de Bujumbura et de l'intérieur du pays, nous préparons pour équiper les structures qui ont déjà des spécialistes capables d'utiliser ces machines. Donc c'est ça en fait la stratégie. Donc on a grand vous épidémie on va déployer des moyens en Ngozi. On devra déployer des moyens là. Pourquoi nous avons beaucoup de mouaï, Makamba, Mouzanino, nous voulons continuer à disséminer la maladie à travers la mouli trajet ou Chiemu. Nous voulons que nous avons un Mouzanino, au risque Yuko, ou Gendra Uranda Gaza, la maladie à Ouachiehos. Nous voulons que la maladie doit être. Prévenu et combattu, riposté là où il est, et il a pris racine. Anima, vous avez dit que le confinement, il y a qui vous aide, docteur Jérôme, que vous avez accouché, vous avez dit que vous avez dit que abaganga baba spécialiste d'office ni gitoya cyane bashobora gukoresha ama respirateur ni bake ariko gituma rero twembe twoshinga uvu muri prévention kuko haruye nka médecin animateur d'office sibenshi cyane waruye nkuko kugwara nk'ibihumbi nka 10 mu Burundi est-ce que nous serons capables de yukujera mu bantu mugabo tugize tutireka tube tura turakinga tubuze les rassemblements tubuze kw'abantu baje amashengero bagira hane nubuvuga yuko abandura azoba ari bake hanyuma nabo bake bazoba babonetse bazoshobora kuvugwa c'est ça. Merci, merci beaucoup. Alors, on pense que maintenant on peut vous voulez faire des questions.